mais c'est monde qui croit dans Jésus. À ce moi-même avec vous, nous avons besoin de sacrer les sagesse. Nous avons besoin de sacrer les sagesse. Les gens qui ont bon comprendre, les gens qui ont bon sens à parler, nous-mêmes pour nous gagner une dimension, pour nous comprendre qui ça nous a dit, qui ça nous a deviné. Parce que sans sagesse, on ne peut pas comprendre les gens de l'esprit, on ne peut pas comprendre les gens qui ont sagesse à parler. À ce moment-là, nous, chaque qui là, nous avons nécessité ça. Nous, chaque qui là, nous avons besoin de nécessité ça. Nous avons besoin de dimension pour nous chercher qualité sagesse qui est connaissance. Bon comprendre. Parce qu'elle dit, proverbio, les proverbios parlent, si vous n'avez pas bon comprendre, vous n'avez pas comprendre, vous n'avez pas comprendre les paroles, vous n'avez pas deviné proverbio. Mais avec sagesse, avec bon comprendre, vous êtes capable de deviner les gens qui ont sagesse, les gens qui ont bon comprendre à parler. Et verset clé, nous, c'est verset 8 là. La petite petite mouille, petite mouille, tendez. Instruction, papa ou baou. Tendez instruction, papa ou baou. Assoya. Je ne connais pas combien de jeunes filles, jeunes garçons qui sont là assoya. Est-ce que les papas ou parlent avec vous? Est-ce qu'ils ont une dimension pour comprendre sa papa ou abdiou? Les mamans parlent avec papa, mais est-ce qu'ils ont une dimension pour comprendre ou besoin de sagesse? Ou besoin de sacrer les sagesse à soi? Mais pour qui sagesse ça, c'est le quoi dans Jésus. C'est le qui Jésus comme sauveur personnel. C'est le qui accepte Christ comme sauveur et maître. Et c'est le ça où recevoir connaissance ça. À ce on a besoin de dimension ça. Mais verset 7 là, il dit parole monde sage avec devinette créatif pour l'éternel. C'est commencement connaissance. Assoya. Ou besoin de gain créatif pour l'éternel. Ou besoin de gain créatif pour l'éternel. Assoya. Pour gain connaissance ça, pour gain sagesse ça, ou besoin de gain créatif pour l'éternel. Assoya. Est-ce que Assoya, est-ce qu'on senti ou une dimension pour comprendre les bons qui a parlé? Est-ce qu'on senti à soya ou une dimension pour tendre les mon esprit à parler? À soya ça va me sentir un bagage. Moi senti un bagage, moi senti une parole à soya. À soya ça va me sentir que des monde, que des hommes de Dieu. Il t'a doué là mes bien-aimés. Que homme de Dieu qui t'a doué difficile. C'est chercher puis ap chercher. Mais puis yon chercher un homme de Dieu, ou de yon dimension. Parce que lui dit, jeune garçon, lui dit, moun ki ge connaissance yo, moun ki ge sage yo, lui dit, jeune fille, jeune garçon, ta supposé ap chercher moun sa yo, ap chercher moun ki ge connaissance yo, puis yon ba yon connaissance. Aswa ya, mba konne nan liye koto ye ya, koto ete ya, koto habite ya, mba konne eske ou sentou yon dimension pour moun ap chercher yo aswa ya. Est-ce qu'on sent une dimension dans mon Dieu? Est-ce qu'on dit ou bien une dimension dans Jésus-Christ à soi? Pour le monde, il y a une nécessité pour chercher, mes bien-aimés. Homme de Dieu qui est là, ou besoin de dimension, ou besoin de sacrée sagesse. Pour comprendre. Parce que lui dit, le monde qui est bon comprendre, c'est pour chercher. C'est pour chercher. C'est pour y chercher parce que yo là pour instruire monde
moun ki pa gen bon sens yo, moun ki pa gen bon comprendre yo. Aswe ya. Moi m'a voki la, on cherche une dimension dans mon Dieu. On cherche une dimension dans mon Dieu. On cherche gen sa ou les sagesse aswe ya. On cherche gen sagesse aswe ya. Ou même monsieur Marie qui là m'a connaît comment yé comment comportement yé envers madame monsieur Marie madame Marie m'a connaît est-ce que aucune dimension dans caill là le madame l'a parlé avec vous pour comprendre la madame m'a connaît est-ce que aucune dimension ça le mari a parlé pour que sagesse pour que ça que le bon comprendre pour sa Marie Abdoula. Parce qu'en pile fois, moun ki pa gen bon confiance, bon sagesse ak bon comprendre yo, la Bible dit moun sa yo, c'est des moun fou. Parce que la Bible dit, les moun bon sens a parlé, yo pa tande sa moun bon sens a dit. Parce que yo c'est des moun fou. Aswe ya, pa konnen si yon nan moun sa yo. Les hommes de Dieu a parlé, est-ce qu'on kon dimension pour comprendre? Les servantes bon Dieu qui la, serviteur bon Dieu qui la, les a parlé, est-ce qu'on senti en même? Ok, on dimension pour comprendre mes bien-aimés. Assoya, vous besoin demander pour dire un peu de sagesse. Parce que Salomon, malgré quand tu étais sage, Salomon te gagné. Mais il t'a demandé pour dire plus toujours. Parce que il était senti, il n'est pas bien contre lui. Assoya, je ne connais, est-ce que on a une nécessité? Parce que la Bible, l'idée nous là dans le passage de notre lien, il dit que le monde qui a un bon sens, c'est pour chercher plus toujours. Moun ki gen bon sens bon comprendre yo, c'est pour chercher gen plus pour mettre sur ça au gagner. Aswe ya nous même, frère Abjassa, frère Kantaova, frère Islien, frère Jonas, frère Iguer, homme de Dieu, servant de Dieu, frère Akanja. Est-ce qu'on gen dimension ça aswe ya? Est-ce que moun nan son ou été ya? Est-ce que yo senti yo gen nécessité pour chercher parce que yo gen conseil que yo besoin nan men? Yo gen conseil que yo besoin nan men parce que m'pa konnen. Notre longtemps, notre temps même m'apparaît les hommes on a parlé des hommes de Dieu. Mais bien aimé, c'est un bagage extraordinaire. Un homme de Dieu, parce que quand on passe, ils sont spéciaux, ils sont mon béni, ou sont notables, ou sont notables, parce que tout le monde envie vivre sur vous. Tout le monde a envie d'approcher, pour qui ça? Parce que vous connaissez, ou sont les gens qui ont bon comprendre, parce que vous connaissez les gens qui ont bon sens, ou sont les gens qui ont sagesse, parce que vous connaissez en haut, des bagailles, vous êtes capable de recevoir, des bagailles, vous êtes capable de jouer, parce que dimension, vous êtes en haut, vous êtes capable de partager avec le monde. Mais assoyez, pour que dimension ça, assoyez, pour que sagesse ça, faut ou seulement, ou sont les gens qui croient dans le bon Dieu. Assoyez, mes bien-aimés, vous-même avec vous, on cherche la sagesse. On cherche la sagesse. Parce que la sagesse, c'est connaissance. Et connaissance, ça, au besoin pour partager avec le voisinage. Au besoin pour partager avec les gens qui vivent pour eux. On cherche la sagesse. Assoyez, c'est ça que fait. Dans le message, là, on demande est-ce que vous avez la sagesse? Assoyez, au besoin de chercher la sagesse. Et pour la sagesse, ça, il faut que ce monde qui croit dans mon Dieu. Faut que ce monde qui croit dans mon Dieu dans la vie. Et que mon Dieu bénisse. Que grâce mon Dieu pour vous soit.